Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la VOD numéro 12 de Song of Horror. Je l'espère que c'est la fin de l'épisode 3, enfin du chapitre 3 dans cette VOD, parce que j'en ai marre. Je veux arrêter. Et sur le stream de la madame, il reste 20 minutes, donc normalement ça devrait être potable. J'ai une carte. Ah, bien sûr que non. Faut se fermer avant, nanana. Ok. Je sais pas où faut aller, hein. Oh là 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 là, mais c'est trop grand. Putain, il veut pas mettre de carte. Je sais même pas qui c'est ce monsieur. Ok. Il faut une clé. Je m'éloigne un peu d'où j'étais, non? C'est quoi cette chose? Une houe. Très bien. C'est pas le vieux qui s'est pendu? Ah, tu penses? Et du coup, on retourne dans le temps? J'ai envie d'une carte, parce que moi, sans carte, je suis un peu perdue, en fait. Ok. Ah. Ok. Avec son sourire. Ça va pas marquer. Donc ce serait le manoir du début du coup. Ouais. J'aime bien avoir une carte pour me repérer. Ah, une cachette! Ah non. J'ai cru. Déjà encore, ouais. Cette salle ne sert à rien. Pff, les musiques de retour. Les mouvements du cœur. Enfin, les mouvements du cœur. Tu m'as comprise, les battements du cœur. Hein. Ok. Ok. Oui, c'était poétique, ouais. Oh, des toilettes. Non, je sais pas si c'était... Non, c'était pas des toilettes. Mais ça me fait penser, tu sais, aux toilettes dans... Dragon Quest, en fait. Ah non, mais je crois que c'est vraiment des toilettes en fait. Et qu'est-ce que je dois faire ici en fait? Si ça ressemble à des toilettes. Ouais, non, mais finalement je pensais dire une connerie, mais. C'en était peut-être pas. Fait caca tous ensemble. C'est un peu ça. Bon, franchement, j'ai pas envie de me faire chier. Hein. Je vais voir ce fait. Clairement. Hein. Au pire, je vous mettrai le lien de sa vidéo là. Enfin, son live. Comme ça au moins. On lui fait sa petite pub en même temps. Ah, qu'est-ce qu'elle a fait? Je sais pas où elle est partie. Faut que je retrouve cette scène. Oui, c'est bien, c'est bien. Oh, je préfère encore aller en pleine forêt que faire ça avec 5 personnes à côté. Ouais, j'avoue. Hein. Moi, ça me plairait pas non plus. En fait, j'y suis à son coin là. Voilà. Oh, punaise. En fait, il a rien fait. Très bien. Du coup, j'ai toujours. Ah non, j'ai plus. Ouais, d'accord. Un truc de plomberie très complexe. Très bien. Qu'est-ce que j'ai, madame? Rien, ouais.
Qu'est-ce que j'y récup là? Ah, j'ai rien récup, d'accord. Encore faire pipi, on a l'habitude avec les deux noirs. Ouais, bah moi j'ai pas l'habitude par contre. Tu te calmes le cœur. Yes. Fais absolument rien faire ici. J'aime ma vie. Où la caméra? Où la caméra? C'est sûrement dans une des portes, hein, bien évidemment, mais bon. Voilà quoi. What the fuck? Qu'est-ce que c'est la fée là? Mais d'où? Mais d'où j'ai pas vu ça? Ça doit pas être pratique pour les madames si vous avez... Ah ouais, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Nous avons un sujet de conversation. Au moins ça nous détend. Hein. Il y a quelque chose ici? Non, il n'y a rien ici. Oh. Ah! Yes. T'entends des particulièrement. Je sais pas du tout par où faut aller. Enfin, je te jure, parce qu'il n'y a que toi. Je sais même pas s'il faut faire. En fait, je comprends rien. Faut sûrement chercher un truc. Je sais rien. Faire toutes les portes, écoute, hein. J'adore, je me rapproche du micro comme si le son sortait du micro, quoi. Mais enfin, bon. Non, là, je me dis, avec tout ce qu'on a fait, si je meurs, je retourne au début de cette zone-là, non? C'est bon, ça ferait chier de recommencer au niveau de la bibliothèque et tout, avec les chapeaux, là. Ça me ferait chier, enfin, il y a quand même un temps. Moi, j'aime pas du tout les bruits. The Fox est parti, peut-être. Ouais, je pense que je vois deux... Je vois deux viewers, donc sûrement toi et le bot. Yes. Ok. Ouais. Juste danser sur la table. Ouais. Ah! Parce que l'eau, quand même. Ok. Faut sûrement faire un truc ici. Mais j'ai rien pour. Oh la musique. Neko, elle est pas venue ce soir. C'est vrai. Elle ne pouvait peut-être pas non plus aussi. Là, elle refait toutes les zones que j'ai fait. Ça, c'est fait. Ça, j'ai fait. Tout à l'heure, il fallait faire un truc avec Clo sur la porte tout en bas. Ah, tu penses qu'il faut faire quelque chose avec ça? On va essayer. Est-ce qu'il y a un monstre ici, tu crois? Putain, j'ai cru que c'était chez moi le bruit. Je reviens 2 petites minutes. Oh, tu me laisses toute seule.
Maintenant, je dois m'assurer d'ouvrir tous les robinets de prise d'eau. Ok, on va aller dans les toilettes. Je crois que c'était là où il y avait... Je sais plus où c'était les toilettes, c'est ça le problème. C'était là. C'est ça où je me pisse vraiment dessus. Ah! Ouais, non, vaut mieux éviter. Pour toi, ce serait pas plus mal. C'était où? Non, là où il y a un X, faut pas. Là, c'est verrouillé. Là, c'était verrouillé. Pas si tu veux, viens me changer. Oh! Je suis pas infirmière. C'est bon, c'est bon. Ah, ne me dis pas que j'ai fait. Je tourne en rond. La merdouille. C'était où? Ah, c'était peut-être là-dedans. Les toilettes. Or, c'était là. Oh, je sais plus. Ah oui, c'était là. Je vais là, mais même assis, je dirais quelque chose là-bas, toujours près d'ici. Et ben, on va aller dans les toilettes! Il n'y a pas d'interaction dans les toilettes? Ah bah si. Ah. Bah non, c'était pas là. C'est dans l'autre salle? Il y a apparemment il y a encore un truc qui bloque, mais je vois pas où. J'en ai fait deux, peut-être il y en a trois. Mais là, elle a pas l'air de comprendre, il faut tartouiller les tuyaux. Elle a pas un petit vivi sur son chat en même temps. Ah, d'accord, très bien. Je crois avoir compris. Merci Nono Game pour ton follow, bienvenue à toi. Tu viens avoir peur avec nous. Dans ce chapitre 3 de Song of Horror. Et du coup, vu que la Naughty va se faire 15 ans après, ça va me faire peur. Il a pas une tête de serin. C'est un caca? Je ne pense pas avoir besoin de quelque chose aussi dégoûtant. Mais du coup, est-ce que ça a marché? Eh ben, je ne sais pas. On va y retourner. Et on va là-bas? Écoute. En fait, c'était tout dans la même zone, quoi. Allez, reviens-toi. Remonte. Yes! Je pense qu'on est dans le bon sens. Hein. Écoutez, ça nous cause, hein, donc... On n'a pas été voir si c'est passé, mais vaut mieux pas savoir. Je pense qu'on nous a refermé la porte derrière. Hein. Et du coup, là, si je fais ça... Je suis pas sereine à l'idée d'aller là-dedans, mais bon, on n'a pas le choix.
Oh. Alors, il y a quelques jours, j'ai vu les frères exécuter un étrange rituel. Ils se sont assis à tour de rôle devant un miroir face auquel ils ont allumé puis éteint la lampe. Ceci devrait être considéré comme un témoignage écrit de tout ce qui a été découvert, ce qui m'a été transmis, car cela peut s'avérer utile à quiconque le trouvera. Assis devant la porte, ils observent leur propre reflet, tout ce qui se trouve derrière eux, ils éteignent ensuite la lampe, en réduisant l'intensité des flammes au point que leurs yeux aveuglés ne voient plus. Ils la rallument ensuite pour observer encore une fois leur reflet et tout ce qui se trouve derrière eux, répétant le processus à plusieurs reprises. Et parfois, Dieu nous vienne en aide. Le reflet apparaissant dans le miroir n'est pas ce qui devrait être. Je ne peux même pas décrire les horreurs qui apparaissent. Le simple fait de les faire apparaître est une insulte envers notre Seigneur, mais je dois préciser que plus la fréquence d'apparition de ces horreurs est grande, plus elle se rapproche et moins nous avons de temps jusqu'à ce qu'elle ne soit plus de simple réflexion. Ok. C'était quoi cette chose immonde là? Vous savez où on est? Vous savez où on est là? Si je me trompe pas, on est dans une partie du 1 là, du chapitre 1, non? On dirait, non? Le couloir, vous savez qu'on... Enfin, que vous savez. Mur cassé, mais on peut voir des parties, ouais, bref. Ah, c'est pas là-dedans, vie, où du coup il s'était pendu ou je sais pas quoi que tu disais? Ouais, je pensais. Mais ça y ressemble pas trop. Ah bon? Je trouve que ça ressemble au couloir. Après, c'est pas le même lieu, ça, d'accord. Mais ça y ressemble, je trouve, moi. Le lieu, le couloir, comme ça, et tout le truc qui descend. Moi, je trouve que ça y ressemble. Ouais, j'avoue. Moi, je sais pas, les portes, comme ça, je trouverais que ça ressemblait. Les portes ont l'air différentes, peut-être. If this works, let's see how much I have left. Mon Dieu. Pire scène. Je ne dirai plus devant un miroir pendant 3 semaines. Ok. Bon. Bah, il l'a pas rallumé de con. Ouais, je sais pas trop ce qui s'est passé, mais peut-être que ça a un lien du coup avec le chapitre 1. Je sais pas, je trouve que ça se ressemblait. On a fini le chapitre 3, donc je vais couper la VOD ici. Je pense que je vais un petit peu blablater avant de couper le stream. J'espère que cette VOD vous a plu. Je vais juste prendre une petite pause sur le jeu pendant 3 semaines le temps de mes vacances parce que... Voilà, et moi je vous retrouverai du coup... Bah...
à ma rentrée entre guillemets, donc fin juillet. Des bisous.